École à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'École à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la quatrième année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série « Prêt à apprendre ». Chers enfants, chers maîtres, bonjour. Un bonjour amical à la classe de M. Tcheba Diarra de l'école Nelson Mandela E, 4e année fondamentale. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 4 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, ande tafakelen don balia, uluwe eko ye komenuni bashite ula. Nga, fika donka foko ikelente. Wa, ibese kakuma idanaya mogo dofe, inafo isu mogo do walima ikakara mogo. Ubi kisi, ubi ka ekol kisi, ubi ka dugube kisi. Wa, obato, bela jelenga kenaya besabati. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Monsieur Konate. Fatih et Moussa sont dans ma classe de première année. J'aime chanter avec mes élèves. Bonjour, M. Konate. Bonjour, les amis. C'est moi, Fatih, et j'aime beaucoup lire. Bonjour, M. Konate. Bonjour, les amis. Je suis Moussa. J'aime jouer et chanter. Bonjour, Fatih. Bonjour, Moussa. Madame Aïcha, bonjour. Bonjour, tout le monde. Je suis Madame Aïcha Touré, la grand-mère de Fatih. J'aime dire des petites histoires. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre les voix des personnages de l'émission. Ils doivent deviner qui parle et lui dire « Bonjour, comment ça va ?» Par exemple, s'ils entendent la voix de Fatih, ils disent « Bonjour Fatih, comment ça va ?» Bonjour les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour, Madame Aïcha, comment ça va ?» Écoutez encore. Bonjour, les amis. J'espère que les élèves ont dit « Bonjour, Fatih, comment ça va ?» Maintenant, on recommence. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont entendre les voix des personnages de l'émission. Ils doivent deviner qui parle et lui dire « merci ». Par exemple, s'ils entendent la voix de Madame Aïcha, ils disent « merci, Madame Aïcha ». Bravo les amis.
J'espère que les élèves ont dit « Merci, Moussa ». Écoutez encore. Bravo, les amis! J'espère que les élèves ont dit « Merci, Madame Aïcha ». Écoutez encore. Bravo, les amis. J'espère que les élèves ont dit « Merci, Fatih ». Écoutez encore. Bravo, les amis. J'espère que les élèves ont dit « Merci, Monsieur Konaté ». Très bien, tout le monde. Chers collègues, expliquez à vos élèves en langue nationale qu'au cours de cette activité, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet français. Chers collègues, dites à vos élèves de bien écouter Moussa. Il va réciter les 26 lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien, Moussa. Fatih. Oui, monsieur. S'il te plaît, reprends pour tes amis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, chers collègues, expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont réciter l'alphabet et que vos élèves vont répéter après chaque lettre. Chers collègues, chaque fois que les élèves répètent, montrez la lettre sur le tableau de l'alphabet. On y va. A. B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Bravo les élèves. Monsieur. Oui. Chantons l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa. Bravo tout le monde. C'est très bien, vous avez bien chanté. Encore, monsieur, encore. Excellent. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons réviser des bruits qu'ils vont entendre tout au long de nos émissions. Chers collègues, dites à vos élèves que ce bruit indique qu'il faut se lever. Chers collègues, dites à vos élèves que ce bruit indique qu'il faut s'asseoir. Chers collègues, nous allons maintenant appliquer ces consignes. C'est parti. Bien tout le monde, chers collègues et chers élèves, soyez attentifs à ces bruits tout au long de nos émissions. Chers collègues, c'est le moment de notre comptine sur les lettres de l'alphabet. Écoutons ce qu'on a déjà appris. Voici la lettre A, la lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B, la lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C, la lettre C. Parfois, parfois que, parfois, parfois que. Voici la lettre D, la lettre D. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E. La lettre E, parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F, la lettre F, elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G, la lettre G, parfois G, parfois G, parfois G, parfois G. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine de la lettre A à la lettre G avec Fatih et Moussa après 4 clics.
Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois. Parfois que. Parfois. Parfois que. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E. Parfois E. Parfois E. Parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G. Parfois G. Parfois G. Parfois G. Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Moussa et Fatih. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours J, J, J. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours J, J, J. Bravo tout le monde. Chers collègues, et recommençons maintenant avec Fatih et Moussa. Dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine de la ligne A à la ligne J après 4 clics. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois. Parfois que. Parfois. Parfois que. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E. Parfois E. Parfois E. Parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G. Parfois G. Parfois G.
parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Bravo, mes enfants. Vous avez bien récité. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons réviser certaines consignes, par exemple, taper des mains. Très bien. Maintenant, nous allons jouer avec ces consignes. Chers collègues, expliquez que Fatih et Moussa vont donner des consignes à tour de rôle que vos élèves vont exécuter. Chers collègues, dites à vos élèves que les consignes seront adressées quelquefois aux filles et quelquefois aux garçons. Prêts, les amis? Les garçons. Marquez le pas. Les filles. Croisez les bras. Les garçons. Tapez des mains. Les filles. Levez les bras. Les garçons. Croisez les bras. Les filles. Tapez des mains. Les garçons. Croisez les bras. Les filles. Marquez le pas. Bravo les enfants, vous avez bien exécuté les consignes. Continuons à apprendre d'autres consignes que vous entendrez tout au long de nos émissions. On passe à une nouvelle consigne. Chers collègues, expliquez à vos élèves en langue nationale la consigne « Faire face aux voisins ». Chers collègues, faites pratiquer plusieurs fois « Faire face aux voisins » par vos élèves.
Très bien, les élèves. On passe à une nouvelle consigne. Chers collègues, expliquez à vos élèves en langue nationale la consigne « Lever et balancer les bras ». Chers collègues, faites pratiquer plusieurs fois « Lever et balancer les bras » par vos élèves. Très bien tout le monde, vous avez bien travaillé. Monsieur, je vais chanter ma chanson. D'accord Fatih, alors tu vas chanter avec Moussa et vos amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa la chanson de l'alphabet. Bravo les enfants, vous avez bien chanté. Chers collègues, c'était là l'émission numéro 4 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Nous vous demandons d'encourager vos élèves à pratiquer les consignes, à chanter l'alphabet et à réciter la comptine sur les lettres. Juste le temps de vous rappeler que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, adi tapan kelen don balia, ulugu eko ye, komenu ni bashite ula. Nga, fika donka foko e kelente. Wa, ibesika kuma idana ya mogo dofe, inafo isu mogo do, walima ika karamogo. Ubi kisi, ubi ka ekol kisi, ubi ka dugube kisi. Wa, obato, bela jelenga kena ya besabati. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission « Prêt à apprendre ». Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, adi tapan kelen don balia, ulugu eko ye, komenu ni bashite ula. Nga, fika donka foko e kelente. Wa, ibesika kuma idana ya mogo dofe, inafo isu mogo do, walima ika karamogo. Ubi kisi, ubi ka ekol kisi, ubi ka dugube kisi. Wa, obato, bela jelenga kena ya besabati. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission « Prêt à apprendre ». Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL.
Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagati ye. Akili sigi balia, joro, ande tafake lindon balia, uluwe eko ye komenuni bashite ula. Nga, fika donka foko ikelente. Wa, ibesika kuma idana yamogo dofe, inafo isumogo do, walima ikakaramogo. Ubi kisi, ubika ekol kisi, ubika dugube kisi. Wa obato, bela jelenga kenaya besabati. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 8 de nos leçons de lecture et d'écriture. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de lecture aux classes du CM1 à la 6e. Les leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. C'est exact. En fait, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mais ne vous inquiétez pas si aucun adulte n'est présent, toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre envie d'apprendre. Nous vous recommandons aussi d'avoir un cahier et un crayon ou un stylo pour pouvoir prendre des notes, faire les exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas le matériel pour écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons appris ce que signifiait lire de manière fluide. Lire de manière fluide, ça veut dire lire avec rapidité, avec précision et de manière expressive. C'est ça. Lire rapidement, ça veut dire que vous lisez sans à-coups et à la bonne vitesse. Lire de manière précise veut dire que vous trouvez correctement tous les mots d'un texte. Lire de manière expressive veut dire que vous comprenez l'atmosphère ou l'état d'esprit d'un texte et que vous exprimez cet état d'esprit avec votre voix. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à apprendre à lire de manière fluide et expressive en vous concentrant sur le rythme, les pauses et le volume de la voix. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de la dernière leçon. Il s'agit d'une expression. C'est une expression composée de plusieurs mots qui, ensemble, ont une nouvelle signification. Le premier des deux mots signifie un sentiment de respect ou d'admiration. Le deuxième mot est un mot mystère tiré d'une leçon précédente qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou pensez être. L'expression composée de ces deux mots signifie avoir un sentiment de respect pour vous-même et vos capacités. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est « Le fait de bénéficier d'une éducation permet d'améliorer son… » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est « estime de soi ». E-S-T-I-M-E espace D-E espace S-O-I. Le fait de bénéficier d'une éducation permet d'améliorer son estime de soi. Donc, l'estime de soi, ça veut dire se sentir bien avec soi-même? C'est ça. C'est important d'avoir une bonne estime de soi pour avoir le sentiment qu'on peut faire des choses et faire face au monde avec une attitude positive. L'estime de soi, ça ne veut pas dire être arrogant ou penser qu'on est meilleur que les autres.
c'est simplement se respecter soi-même et croire en ses propres capacités. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans « Je veux apprendre ». Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre à lire de manière fluide. Ça veut dire lire avec rapidité, de manière précise et expressive. Vous allez surtout vous concentrer sur la bonne expression. La bonne expression, c'est utiliser correctement différentes choses que vous pouvez faire avec votre voix. C'est le rythme, les pauses et le volume de votre voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le rythme, les pauses et le volume de la voix. Je sais que le volume, c'est quand on lit en haussant ou en baissant la voix. Mais le rythme et les pauses, qu'est-ce que c'est ? Je suis toujours content quand tu poses des questions. On a un peu parlé du rythme lors de la dernière leçon, mais sans donner de détails. Le rythme, c'est la vitesse à laquelle vous lisez. Quelqu'un qui ne lit pas de manière fluide lit lentement, en faisant de gros efforts. Lire de manière fluide, ça veut dire que vous lisez à un rythme similaire à celui que vous avez dans une conversation. Le bon rythme, c'est quand vous lisez tout le texte à la bonne vitesse ou avec le bon débit. Le débit, c'est un autre mot pour vitesse. Marquer une pause est un nouveau terme. Ça veut dire que vous vous arrêtez, que vous faites un bref temps d'arrêt au bon moment. Voici un exemple. Avant d'aller à l'école, j'ai pris mon petit déjeuner. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai marqué une pause entre les deux parties de cette phrase ? Ah oui, d'accord. Les pauses et le rythme sont associés, car les deux se rapportent à la vitesse ou au débit de votre lecture. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple ? Bien sûr. Prenons les premières lignes de l'histoire sur le chacal et le lion que nous avons écouté à la dernière leçon. D'abord, je vais les lire à un rythme très lent, en faisant de gros efforts et sans marquer les bonnes pauses. Et puis, je vais les lire avec le bon rythme, en faisant les bonnes pauses. Écoutez la différence. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent et le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Je vais maintenant lire le même passage en utilisant le bon rythme et les bonnes pauses. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent, et le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Oh, je vois la différence. La première lecture n'était pas agréable à écouter. Mais la deuxième fois, quand vous l'avez lu au bon rythme, c'était agréable. Et qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les pauses ? Quand vous marquez les pauses aux bons endroits, je comprends toutes les phrases. Mais la première fois, c'était une longue suite sans fin et c'était difficile à comprendre. C'est ça. Vous avez entendu que les pauses et le rythme sont essentiels pour lire de manière fluide. Aujourd'hui, on va continuer à s'entraîner et mieux utiliser le rythme, les pauses et le volume de la voix quand vous lisez en faisant ce qu'on appelle une lecture en chœur. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Badji ? Lire en chœur, ça veut dire lire à voix haute tous ensemble. Donc, ça veut dire que des lecteurs compétents et d'autres moins compétents lisent ensemble en même temps.
Lire en chœur, ça aide les lecteurs moins compétents à lire de manière plus expressive. Comment, Monsieur Badji? Comme vous entendez un lecteur plus expérimenté lire en même temps que vous, le fait de lire en chœur vous aide à améliorer votre expression. On appelle ça prendre exemple sur quelqu'un. Parce que vous entendez un exemple de lecture fluide, le fait de lire en chœur permet au lecteur moins compétent d'entendre ce à quoi ressemble une lecture fluide en prenant exemple sur les autres. La lecture en chœur vous aide aussi à lire et à donner du sens aux mots. Comment? Ce que je veux dire, c'est que si en lisant un texte, vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous ne savez peut-être pas comment le prononcer. Mais si vous lisez en chœur, vous entendez d'autres lecteurs qui savent lire de manière fluide, lire les mots inconnus pendant que vous les regardez. Cette expérience vous aide à donner du sens aux mots qui ne vous sont pas familiers. Malheureusement, nos auditeurs ne peuvent pas suivre la lecture en chœur puisqu'ils n'ont pas le texte, mais vous comprendrez l'idée. Comment est-ce qu'on lit en chœur? Je vais commencer en lisant un passage du texte à voix haute. Ce sera un exemple de lecture fluide. Puis, je vais lire le même passage, une ligne après l'autre. Après avoir lu chaque ligne la première fois, je vais répéter la même ligne une deuxième fois. Quand je vais répéter la ligne pour la deuxième fois, vous allez la lire ou la dire en même temps que moi. On peut s'entraîner? Bien sûr, je vais lire quelques lignes. Vous allez écouter, puis je vais lire encore une fois les lignes. La deuxième fois, vous allez répéter les lignes avec moi. Prêt? Oui. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je ne vois rien venir. Ok, maintenant une deuxième fois. J'attends au carrefour. Les enfants, lisez à voix haute avec moi. Ah, pardon. Ok, je suis prête. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je regarde à droite. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. C'était un exemple de lecture en chœur. Vous êtes prêt à continuer? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de continuer notre lecture en chœur, nous avons un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans « Je veux apprendre ». On va lire une variante d'un poème qui s'appelle « Incantation pour la chance ». Est-ce que vous pouvez répéter le titre après moi ? Incantation pour la chance. D'abord, je vais lire tout le poème. Ensuite, je vais lire une ligne après l'autre. Après chaque ligne, vous allez lire en chœur avec moi. D'accord. Incantation pour la chance. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je ne vois rien venir. Je regarde à gauche. Je ne vois rien venir. Je regarde droit devant. Il n'y a que le silence. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche. Je récite des incantations anciennes. Je marche un petit moment. Je vois une calebasse. Je la casse. Il y a une couronne en cuivre. Je veux la prendre. Elle dit « Non, mais tu peux demander 6 choses. » Je dis, « Toi, couronne en cuivre, donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. » C'est un poème intéressant, mais il y a des mots que je ne comprends pas. C'est quoi un carrefour et des incantations et du cuivre? Je suis très content que tu poses ces questions, Mariama.
Je voudrais rappeler à tous nos auditeurs que quand vous entendez des mots que vous ne comprenez pas dans ce programme ou dans la vie, vous devez toujours demander ce qu'ils veulent dire. Dans le cas de ces leçons, retenez-les ou prenez-en note et demandez à quelqu'un plus tard. Un carrefour, c'est le croisement de deux routes ou plus. Le cuivre, c'est un type de métal. Une incantation, c'est un mot qui veut dire formule magique ou mot magique. Donc, le titre du poème « Incantation pour la chance » veut dire des mots pour avoir de la chance. Merci, Monsieur Badji. De rien. Je vais lire encore une fois le poème. Cette fois, après avoir lu chaque ligne, vous allez la lire avec moi. D'accord. J'attends au carrefour. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je regarde à droite. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Je regarde à gauche. Je regarde à gauche. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Je regarde droit devant. Je regarde droit devant. Il n'y a que le silence. Il n'y a que le silence. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche. Je récite des incantations anciennes. Je récite des incantations anciennes. Je marche un petit moment. Je vois une calebasse. Je marche un petit moment. Je vois une calebasse. Je la casse. Il y a une couronne en cuivre. Je la casse. Il y a une couronne en cuivre. Je veux la prendre. Elle dit non. Je veux la prendre. Elle dit non. Mais tu peux demander six choses. Mais tu peux demander six choses. Je dis, toi couronne en cuivre. Je dis, toi couronne en cuivre. Donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. Vous êtes prêt à parler de ce que vous avez pensé de la lecture encore? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans « Je veux apprendre ». Nous allons terminer notre leçon du jour par une discussion sur la lecture en chœur que nous avons faite avant la pause. Comment avez-vous trouvé cette lecture? C'était bien. J'avais l'impression de savoir comment je devais dire les différents mots, car je pouvais vous entendre. Et j'ai aussi compris comment les mots s'associent les uns aux autres. Je suis heureux de l'entendre. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire des poèmes à voix haute. Les poèmes ont souvent des rythmes qui sont différents de ceux des autres textes. C'est pour ça qu'ils peuvent être très utiles pour montrer comment une lecture en chœur peut aider les lecteurs qui lisent moins bien à devenir de meilleurs lecteurs. Oui, au début, le rythme avait l'air un peu lent, et puis j'ai réalisé que vous le faisiez exprès. La poésie se lit souvent à un rythme plus lent, car les images et les sujets peuvent être inhabituels. Par exemple, le vers « Je mets du poivre de Guinée dans la bouche, je récite des incantations anciennes ». Vous ne pouvez pas lire ça trop rapidement. L'auditeur doit pouvoir réfléchir ou penser à l'image.
l'état d'esprit où le ton du poème est également lent et calme. Oui, je l'ai senti quand on a lu ensemble. Vous vous êtes aussi souvent arrêté. Chaque fois que vous avez marqué un petit arrêt, les mots qui suivaient se détachaient clairement. C'est exact. C'est ce qu'on appelle marquer une pause. Vous pouvez entendre l'importance des pauses dans les vers suivants. Je regarde à droite, je ne vois rien venir. Je regarde à gauche, je ne vois rien venir. Je regarde droit devant, il n'y a que le silence. Avez-vous remarqué autre chose dans la façon dont nous avons lu ensemble? Vous avez lu avec une voix douce. Oui. Maintenant, on parle de l'utilisation du volume de la voix. À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai lu doucement? Parce que le poème parle de magie et de chance, et on dirait que la personne dans le poème est seule. C'est donc logique que ce soit calme. C'est ça. Le volume que j'ai utilisé exprime le ton ou l'esprit et les émotions du poème. Si le poème était plein d'énergie ou de disputes ou de quelque chose d'excitant, j'aurais probablement parlé plus fort. C'est logique. Je crois que je commence à savoir mieux lire de manière fluide. Je suis heureux de l'entendre. N'oubliez pas que lire de manière fluide signifie être capable de lire de manière précise, fluide, expressive et en faisant sens. Comme devoir à la maison, vous allez vous entraîner à lire en chœur avec des membres de votre famille et des amis. Essayez de trouver des textes à lire qui ne sont pas trop difficiles, sinon vous n'allez pas pouvoir les lire de manière fluide. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 3 syllabes et 7 lettres. Il signifie « bien » ou « utile ». C'est l'opposé de « négatif ». Un exemple de phrase avec l'expression « mystère » est « Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Harry était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester. » Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Ame bagati mina eko sisa ni oye coronavirus bagatiye. Akli sigi balia, joro, adi tapakelin don balia, uluwe eko uye komenuni bashite ula. Nga, fika donka foko ikelente. Wa, ibesika kuma idana yamogo dofe, inafo isumogo do, walima ikakaramogo. Ubi kisi, ubika ekol kisi, ubika dugube kisi. Wa, obato, bela jelenga kena yabe sabati.